Bah t'en as mis du temps, t'as pris un HDI? Mais non, c'est une 308 GTI. Mais pourquoi tu m'as convoqué là, ce soir, en plein milieu de la nuit? J'ai une concurrente pour ta voiture. On m'a prêté un petit truc très sympa. Bah une Golf GTI, une Seat Leon Cupra, quelque chose comme ça, très classique. Plus exotique. Asiatique? Oui. Un H là. Honda Civic Type-R? Fabriqué en République Tchèque. Une Kia. Presque. Une Hyundai! Hyundai i30N. Mais N, ça veut dire quoi? Normal? Nanar? Naze? Nürburgring. Donc tu veux dire que cette sportive coréenne là, elle a été développée sur le fameux circuit allemand? La Nordschleife. Oh, quel accent! Mais dis-moi, la couleur, c'est magnifique, hein, moi j'adore. Hein. Bleu layette là, c'est splendide. La couleur, on s'en fout, sous le capot, il y a un 2 litres turbo, 275 chevaux. Et donc d'après toi, malgré cette fiche technique assez alléchante, ça serait mieux qu'une Peugeot 308 GTI? Eh ben, je pense qu'il y a match, ouais. Et déjà, pour que tu fasses de beaux rêves là, avant d'aller se coucher, je te propose de démarrer le moteur, et demain, on va l'essayer ensemble. Oh, mais ça chante, dis donc. C'est pas mal. C'est peut-être que de l'artifice, non? Allez, on va se coucher. Bon, c'est vrai, Laurent n'a pas complètement tort, cette Hyundai i30N est assez convaincante sur certains points. D'abord son moteur, 2 litres turbo, 275 chevaux, la puissance est vraiment là, les performances aussi d'ailleurs, puisqu'elle abat le 0 à 100 en 6 secondes 1 contre 6 secondes pour la 308, donc ce sont des vraies valeurs de GTI. En revanche, elle a quand même quelques défauts. Le premier, eh bien, c'est son poids. Elle pèse 220 kg de plus que la française, c'est énorme, surtout dans cette catégorie. Alors, à la conduite, ça se ressent pas trop. La voiture est quand même très dynamique, elle est plutôt agile. En revanche, elle est plus éprouvante à conduire, avec une commande de boîte plus ferme, une direction plus dure aussi, une direction qu'on va tourner beaucoup plus souvent en ville à cause d'un diamètre de braquage bien supérieur, 11,60 m pour la Coréenne contre 10,80 m pour la 308. C'est beaucoup, mais ça reste quand même des GTI, donc c'est un détail. Mais ce qui nous plaît sur cette Coréenne, eh bien, c'est que c'est un peu une voiture de geek. C'est-à-dire qu'elle a un amortissement piloté et surtout 5 modes de conduite. Normal, sport, éco et puis un mode N que j'enclenche ici. Alors ça va jouer sur l'amortissement et puis un N custom aussi où là vous pouvez vraiment paramétrer la voiture à votre guise, à savoir la réponse à l'accélérateur, la direction et surtout la sonorité à l'échappement. Et ça c'est vraiment magique, c'est vraiment sympa. Enfin, dernière chose, cette voiture de geek, qui est d'ailleurs très bien équipée, eh bien, elle propose un mode rêve. Alors, c'est pas pour vendre du rêve, mais ça m'étonne pas que ça plaise à Laurent, puisque c'est un petit bouton qui permet d'enclencher le talon pointe automatique. Et quand on sait pas le faire, c'est bien pratique. Bon, la 308, c'est une valeur sûre, c'est même peut-être le maître étalon de la catégorie des GTI. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est d'une efficacité sans nom. Il y a un train avant qui est remarquable, ça tient extrêmement bien la route. Je pense que c'est l'une des plus rapides, si ce n'est la plus rapide sur route sinueuse. Vraiment, on a un comportement routier qui est irréprochable. Même en motricité, c'est difficile de la mettre en défaut, sauf évidemment sur route humide. Malgré tout, la 308, elle n'est pas parfaite. Déjà, il manque un truc, c'est le frein à main là. Il n'y en a pas, c'est un frein électrique. Et en cas de situation d'urgence, il y a certaines personnes à qui ça peut être utile pour faire pivoter la voiture. Donc ça, faudra s'en passer. Et il y a autre chose, ce petit volant complètement atypique et très sympa qui lui aussi influe sur le côté incisif du comportement routier. Bah, le problème, c'est qu'il joue aussi sur la position de conduite. Il faut le régler d'une certaine façon pour voir les compteurs. Et de toute façon, moi, à bord de la 308, je trouve qu'on est assis un peu trop haut. Mais c'est du détail. Des détails, il y en a d'autres. Côté ambiance, notamment, alors l'ensemble est très bien pensé, c'est bien réalisé, il y a une bonne qualité de matériaux, tout est bon.
Sauf que moi, je trouve qu'on a l'impression d'être à bord d'une compacte un peu luxueuse, plus qu'à bord d'une sportive, et c'est dommage. Alors, il y a bien quelques détails spécifiques, comme la garniture du volant, les surpiqûres, ou ce levier de vitesse métallique, qui d'ailleurs est très agréable à manier. La commande est plus souple qu'à bord de la Hyundai. N'empêche que niveau ambiance, moi, je trouve qu'il manque quelque chose, et ça, c'est pas le bruit qui va améliorer cette impression, puisqu'on n'a pas de mode de conduite à proprement parler, on a juste un mode sport. Et quand on appuie les compteurs virent au rouge, il y a l'assistance de direction qui change aussi, elle devient plus lourde, plus consistante, et la réponse à l'accélérateur aussi qui est plus directe. Mais côté bruit, je vous laisse écouter. C'est sympa, mais c'est pas aussi caractéristique que dans la Hyundai. Et en plus, ce bruit, il est complètement artificiel, il sort des haut-parleurs. Alors pour une voiture de ce niveau de performance, moi je trouve ça vraiment dommage. Vous aurez peut-être noté aussi qu'on n'a pas de suspension pilotée à bord de la 308, mais ça, c'est pas franchement dérangeant puisque la voiture est ferme, évidemment, c'est une GTI, mais pas inconfortable et très très bien tenue. Et enfin, au chapitre de l'équipement dans la Hyundai, j'avais le volant chauffant, le siège conducteur électrique, les sièges chauffants, plein de petits détails qui, pour le quotidien, peuvent être vraiment appréciables. Et ça, dans la 308, il n'y a pas. Alors, la seule bonne nouvelle, c'est que c'est peut-être grâce à cette économie d'équipement que la 308 est vraiment plus légère que la Hyundai. Bon alors Stan, ton avis sur cette Hyundai que moi je trouve super attachante, avec un bruit démoniaque et c'est une voiture caractérielle. En revanche, je reconnais que côté châssis, efficacité, comportement routier, la Peugeot c'est un ton au-dessus. Non, t'as raison Laurent, cette Hyundai a vraiment un rôle à jouer dans la catégorie des GTI. En revanche, il y a une chose qui me chiffonne, et bien c'est son tarif qui en apparence est pas très élevé, 34 800 euros, c'est 4000 euros de moins que la 308, mais elle écope d'un malus de plus de 4500 euros à cause de son gros 2 litres. Et ça, c'est dommage. Et donc justement, bonus compris, ça met les deux voitures au même tarif. En revanche, il y a un dernier point, c'est la consommation. Avec celle-ci, là, sur les environ 700 km qu'on a fait, je suis à 13 litres 2 en moyenne. Et toi? On a roulé assez fort hein, quand même. Moi, 15 litres 6. C'est vraiment beaucoup, même pour une GTI. Vous l'aurez compris, donc la 308 GTI domine légèrement ce débat face à une Hyundai qui ne démérite évidemment pas du tout. Alors Laurent, si tu veux bien, je vais rentrer avec la Peugeot et puis je te laisse la Hyundai. Pas de problème, je m'en fais une joie et on vous dit à bientôt sur Automoto. Salut! Ciao! Ça envoie le bois, 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 ça envoie le bois.